Bienvenue les Vierges dans votre guidance du mois de septembre 2018. Alors les Vierges, on commence avec votre premier focus qui est la famille. Ouais. Alors quand vous tirez cette carte, c'est que vous avez besoin de passer du temps en famille ou que c'est peut-être pour vous rappeler, pour que vous soyez dans la gratitude par rapport au foyer familial que vous avez construit. Cette carte nous le rappelle aussi. Donc famille, focus pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire maintenant en quoi ça vous concerne, ce focus sur la famille. Pourquoi c'est si important pour vous ce mois-ci? Ça m'intéresse. Deuxième focus, pratique. Qu'est-ce que vous devez pratiquer? À quoi vous devez vous entraîner? Est-ce que c'est vous entraîner à parler en public? Est-ce que c'est vous entraîner pour un examen? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Vous entraîner à changer de façon de penser, de façon de fonctionner? Je pense à parler en public, en fait, parce que il va y avoir un changement pour certains d'entre vous. Hein, ça n'a pas concerné tout le monde, forcément. Il va y avoir une situation qui va demander de vous que vous preniez les choses en main. OK, troisième focus. Et que vous fassiez preuve de force mentale, que vous soyez, c'est pas pédagogue, à chaque fois je me trompe, c'est pas pédagogue, c'est diplomate, voilà, je sais pas pourquoi, je mélange toujours les deux. Il va falloir que vous soyez très diplomate, la situation dans laquelle vous allez vous trouver va demander de vous que vous ayez cette touche douceur et compréhensive, mais dans la force, force de caractère. Donc peut-être que vous devez vous entraîner à ça. dites-moi en commentaire en quoi ça vous concerne, cet entraînement, cette pratique. Donc comme je vous disais, alors on va aller avec celle-là. Ici, cette carte nous parle de nouvelles ressources. Alors, nouvelles ressources financière peut-être, nouvelles ressources, conseils et autre chose. Nouveau, peut-être nouveau boulot, nouvelle promotion dans le travail. Si c'est le cas, et si on nous dit que vous êtes vraiment encouragé à vous lancer dans un nouveau projet. Alors, c'est peut-être lié à votre boulot actuel ou alors c'est complètement différent, mais en tout cas, on vous encourage à créer de nouvelles choses. Pour certains, ça va être un nouveau projet, ça va être un enfant, hein, c'est aussi ça, mère nature, créer quelque chose de nouveau. Mais pour d'autres, ça va être de nouveaux projets, de nouveaux intérêts liés au travail ou pas. Mais cette carte aussi, juste en dessous, elle nous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant, d'enthousiasmant lié à la créativité ou à votre carrière va venir à votre attention, va venir à l'esprit. Vous avez très envie d'apprendre et vous êtes prêt à y aller. Même si vous avez encore des doutes, vous n'êtes pas très confiant, vous n'êtes pas très sûr de vous. On vous dit que de le faire tout de même, même si vous ne vous sentez pas prêt. Ok, et là, on vous encourage à créer. Allez-y à fond. Votre créativité va être largement récompensée. Cet élan va être largement récompensé. Et vous allez, comme je vous disais, avoir besoin de cette force tranquille. Ces cartes aussi, celle-ci et celle-ci, nous disent que vous devez
prendre soin de vous aussi, hein. Pas négliger de prendre soin de vous parce que vous avez cette capacité à nurture. Donc, ouais, on va dire prendre soin des autres. Mais vous devez aussi penser à avoir la même attitude envers vous-même. En parlant de ça, même attitude envers vous-même, prendre soin de vous, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être besoin de régler certaines problématiques. Pour d'autres, ça va être une reconnexion avec un ami du passé, passé proche ou lointain. Quand je dis lointain, ça peut être vie antérieure aussi. Mais en tout cas, vous allez vous reconnecter à une âme que vous connaissez déjà. Pour certains d'entre vous. Sinon, il s'agit de prendre soin de vos enfants, de votre ou vos enfants si vous en avez, ou prendre soin de votre enfant intérieur. Voilà, c'est tout, on a fini les vierges. C'était rapide, mais il y avait que quelque chose, quelques éléments à vous communiquer. J'espère quand même que ces éléments vont vous être utiles pour ce mois de septembre, que vous allez aborder le mois de septembre un peu plus confiant, hein, parce que vous avez besoin de ça en ce moment. Fort tranquille, confiance, et puis rappelez-vous, hein, prenez les choses en main. Personne d'autre qui prendra aussi bien les choses en main que vous pour réaliser vos rêves. Ok, likez la vidéo si vous avez aimé, partagez. Si vous voulez une guidance angélique personnalisée, vous avez mes informations en commentaire de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.